بشنو از نه چون شکایت میکنم از جدایی ها حکایت میکنم Écoute la plainte du ney. Voici la flûte de roseau qui déplore la séparation. Depuis que j'ai été arraché à ma forêt natale, hommes et femmes se lamentent par mes cris. À travers la perforation de mon cœur, j'exprime la douleur du séparé. Arraché à mes pères, je me lamente uni aux malheureux comme aux exaltés. Har kasi az zend khod shod yar man va az darun man najust asrar man. Chacun, selon sa pensée, croit être mon ami. Aucun pourtant n'a percé le secret de mon âme. Le souffle chantant du roseau n'est pas un souffle d'air, mais de feu. C'est un feu d'amour dont la chute précipite à travers le roseau et ébouillante le vin. آتش عشق است کندر نیفتاد جوشش عشق است کندر میفتاد نی حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های مادرید Et nos voiles se déchirent à son cri déchirant. Et le ney est compagne des amants séparés.
Thank you.
J'espère que ça va fonctionner. Nous nous retrouvons maintenant pour la deuxième partie de ce programme. Comme vous l'avez vu, on a parlé de voyage sous différents aspects. On a cherché des lieux mythiques. Nos deux voyageurs se rencontrent à la fin de cette première partie dans la mélodie de Massenet. Et à présent, on vous propose un voyage sous l'angle un petit peu plus mystique. Voilà, avec voilà, le voyage spirituel. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque? Qu'est-ce que ça nous a évoqué? On va donc commencer par un voyage un peu tragique, mais un poème d'Apollinaire qui s'appelle « Sanglots » et qui a été mis en musique par Francis Poulenc. Le poème date des années 17, à la fin de la guerre, et a été mis en musique en 40. Et dans ce poème, Apollinaire raconte l'exil des combattants, leur union dans une fraternité absurde, quoique des deux côtés du front. Et donc Francis Poulenc a mis en musique ce poème. On va ensuite poursuivre avec Anke Nadona, alors un poème persan qui est extrait du, alors je ne me souviens jamais le nom de l'auteur, mais qui est un poème du 19e siècle. C'est comment il s'appelle? It's for Mollah Ahmad de Narohi. Narohi, voilà, c'est ça, de Narohi. Et donc un poème qui parle du, qui décrit, qui était un petit peu un poème éthique, comme on peut voir une espèce de description de celui qui sait, de celui qui sait qu'il sait, qui sait qu'il ne sait pas, et donc de ces différents personnages. Et ensuite, après cette pièce, on ira donc on retournera chez Maurice Ravel avec un voyage des plus spirituels, puisque Maurice Ravel a mis en musique le Kaddish, qui est donc la prière des morts dans la liturgie hébraïque, et donc qui sera donc ce voyage ultime, avant de retrouver notre Moyen-Âge, mais chez nous cette fois-ci, et avec Hildegard von Bingen, et donc le Caritas, qui est donc une mélodie de von Bingen qu'on se propose d'improviser à trois. Voilà. Bonne écoute à tous.
Thank you.
Amen.